Mercredi 26 janvier 2022, Faustine Bollaert animait un nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Pour ce nouvel inédit, l'animatrice, en compagnie d'experts, s'est penchée sur la question des opioïdes, un médicament antidouleur qui rend certains patients totalement dépendants. Et si est-il Diane, une jeune femme souffrante d'algie vasculaire de la face, qui est venue raconter son histoire. À partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs type de décharge électrique. Après c'était de temps en temps donc j'ai pu vraiment avoir une adolescence normale. On allait chez le dentiste, médecin, etc. Mais j'ai eu une belle adolescence a-t-elle d'abord expliqué sur le plateau de France 2. Comme Diane l'a ensuite raconté, si est-il une nuit où tout a basculé pour elle. J'ai commencé à avoir des douleurs, type coup de poignard dans l'œil, un œdème. L'impression que j'allais mourir. Ce qui est le plus difficile si est-il vraiment ne pas savoir ce qu'on a. S'est-elle souvenu. Inquiet, si est-il son compagnon Xavier qui a appelé les secours. Finalement, cette crise, qui a duré des heures, est passée mais revenait toutes les nuits. Si est-il une douleur vraiment insoutenable. C'était un enfer. Je me demandais comment j'allais survivre une nouvelle fois avec une nouvelle crise. Je suis allé voir mon médecin et si est-il là où il m'a prescrit pour la première fois du tramadol. A ajouté Diane, qui en est ensuite devenue totalement esclave. Un témoignage fort à retrouver sur France 2. Diane atteinte d'algie vasculaire, pourquoi elle a mis du temps à en parler à noter que si est-il grâce à son compagnon Xavier, qu'elle a rencontré à 19 ans, que Diane a pu traverser ses débuts de maladie. Même si elle ne lui en avait pas parlé au départ, il a ensuite été d'une grande aide. Ses parents, qui ont connu quelque chose de très difficile avec son frère, ont aussi mis du temps à apprendre la nouvelle. Je ne voulais pas leur infliger ça. J'arrivais à le supporter, a précisé Diane, en larmes. À l'âge de 23 ans, je n'ai pas eu le choix parce que c'était toutes les nuits. Quand je vois après tout ce qui a décliné, toute la souffrance, je me dis que j'ai peut-être bien fait de pas le dire à mes parents parce que j'ai bien vécu. J'ai profité, a-t-elle conclu. Loading widget.